Je l'accompagne, mais bon, je ne rentre pas forcément dans la salle. Donc vous la laissez seule avec le gynécologue. Vous la laissez seule avec le gynécologue en groupe de femmes. Oui, parce que le gynécologue ne travaille pas seul. Il a des assistantes qui sont à côté. Ah, donc comme il y a les assistantes, pour ça vous la laissez. Mais si le gynécologue, il est tout seul, est-ce que vous allez la laisser? Bon, s'il est tout seul, moi je fais confiance à Dieu. Je ne peux rien y faire. Oui, je fais confiance à Dieu parce qu'en fait, c'est pour sa santé. Si elle y va pour sa santé et que le gynécologue se retrouve seul, il n'a pas d'assistance. Bon, qu'est-ce que je peux faire? C'est pour sa santé. Donc, je fais confiance à Dieu. J'espère qu'il ne fera pas quelque chose de mal. Parce que même s'ils sont à deux, même s'il y a une assistante. Non, je veux dire. Je peux finir? Vous allez parler de mon frère. Parce que vous avez dit, j'espère qu'il ne fera rien de mal. Donc, vous avez un petit doute quand même. Oui. Vous qui dites que c'est un médecin comme tout autre. Là, maintenant, vous commencez à dire, j'espère. Donc, vous avez un doute. Non. Vous voyez quand même que c'est un homme, malgré tout. Non, je veux dire qu'on ne peut pas faire confiance à l'homme. La Bible nous dit, mais maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Même ton frère qui est chrétien, à qui tu fais confiance pour une affaire ou bien pour quelque chose, il peut te doubler parce que c'est l'homme. Maintenant, moi, je dis que je fais confiance à Dieu quand ma femme va chez le gynécologue. Si quelque chose de mal arrive, bon, je prends ça comme si Dieu l'a permis. Fais confiance à Dieu, mais Dieu dit l'homme qui envoie le mal de loin. Quand vous laissez votre femme avec un gynécologue homme tout seul, est-ce que ce n'est pas un risque? Est-ce que vous ne tentez pas? C'est une question. Est-ce que vous ne tentez pas le diable quelque part? Est-ce que vous ne tentez pas le diable? Mes frères et sœurs, la thématique ce soir, c'est de savoir est-ce qu'un enfant de Dieu, un chrétien né de nouveau, ayant reçu le Saint-Esprit, peut aspirer à faire le métier de gynécologue ou mannequin? Le frère apostolique dit que oui, il peut être gynécologue. Maintenant, je lui pose la question, est-ce qu'il peut laisser sa femme voir le gynécologue? Il dit oui, je peux laisser ma femme voir un gynécologue homme, mais j'espère qu'il ne fera rien de mal. La question que je lui pose, pourquoi il espère? Parce qu'il dit que c'est un métier comme tout le monde. Frère apostolique, vous avez la parole. Oui. Voilà, donc, comme je disais, j'espère qu'il ne fera rien de mal. Parce que c'est un homme. Pour moi, juste c'est un homme. Même si c'est avec une seule femme que ma femme est. Parce que vous savez très bien, même quand c'est avec même une femme qui n'a pas une bonne intention, elle peut faire mal. On ne sait pas dans quelle pratique elle est. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait. Donc, on peut avoir confiance à 100% à l'homme. Donc, c'est pour ça que je dis que je confie à Dieu. Maintenant, voilà. Donc, c'est ça. Je confie à Dieu. Et puis, voilà. Le Seigneur gère le reste. Vous comprenez? Alors, je peux m'expliquer par rapport à Mankina? Oui, Mankina, allez-y très rapidement parce que je veux revenir vers vous. Allez-y, le Mankina, qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Pour le Mankina, comme je le dis, c'est un métier que les gens font. Maintenant, il y a beaucoup de choses dans tout métier. Il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas bien. Et surtout le mannequinat, quand on regarde aujourd'hui, on voit que aujourd'hui c'est pour présenter la nudité. Donc, si c'est par conviction, comme je le dis toujours, Dieu peut poursuivre un but dans la vie de quelqu'un, va peut-être apporter quelque chose dans ce milieu, va faire ceci, va faire cela. Donc, si Dieu t'y envoie, tu ne peux pas refuser. Mais des aspirations personnelles, sincèrement, je ne conseille pas. Pour des aspirations personnelles. Parce que notre Dieu poursuit toujours un but dans tout ce qu'il nous demande de faire. Merci mon frère. En tout cas, le frère apostolique dit, un enfant de Dieu peut être gynécologue, peut être mannequin. Il dit même qu'il peut laisser sa femme se faire consulter par un homme parce qu'il fait confiance en Dieu. Et il espère que le gynécologue là ne va pas faire n'importe quoi. Merci mon frère, que Dieu vous bénisse. En tout cas, frère Armand, shalom. Merci mon frère, apostolique. Frère Armand, shalom mon frère. Frère Armand. Maman, ouvre ton micro. Ouvre ton micro, papa. Frère Armand, shalom. Oui, je vous écoute. Oui, mon frère, la thématique ce soir.
Est-ce qu'un enfant de Dieu né de nouveau chrétien peut-il aspirer à être gynécologue? Je rappelle que gynécologue, tout à l'heure, la sœur Palia Mavioka, qui est dans le domaine, qui est dans le domaine médical, a clairement expliqué ce qu'est gynécologue. Donc vous savez qu'est-ce qu'un gynécologue peut faire à votre femme ou à votre mari. Et même le gynécologue qui est marié, de tout en voir des parties intimes comme ça. Est-ce que ce gynécologue-là, même en étant chrétien, est-ce qu'il ne peut pas ramener les mauvais esprits en lui? Pourquoi ce métier? Pourquoi un enfant de Dieu, étudiant, pourquoi il choisit seulement cette branche? Alors que la médecine, il y a beaucoup de branches. Pourquoi seulement la gynécologie? Qu'est-ce qui l'intéresse? Qu'est-ce qu'il veut voir là-bas? En tant que mannequin, qu'est-ce qui l'intéresse à montrer son corps, que ce soit homme et femme? Parce qu'il y a aussi des hommes mannequins qui exposent leur tablette au chocolat, qui sont en petite slip, qui défilent pour les maillots de bain, pour les marques et tout. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être lié à tout ça? Il y a tellement de métiers. Mon frère Armand, vous avez la parole. Ok, merci, merci beaucoup. Pour moi, on va passer d'abord dans le cadre où est-ce que c'est interdit dans la Bible. Je pense que non, il n'y a pas un verset qui dit que une femme ou bien un homme, un enfant de Dieu ne peut pas être gynécologue. Il n'y a pas de Bible, chose, de verset qui le dit. Donc, un enfant de Dieu peut être gynécologue. Est-ce qu'il y a un verset qui dit un enfant de Dieu né de nouveau peut être chose, comme on appelle mannequin? Oui, parce qu'il n'y a pas de verset qui l'interdit. Maintenant, c'est comme si, avec la question, si on se pose la question, c'est comme si nous-mêmes, enfants de Dieu, on avait le pouvoir de décider quelque chose de nous-mêmes. En ce moment, si on dit oui, en ce moment, nous limitons notre Dieu que nous louons. Parce que toute chose est faite par lui et est faite pour lui. Donc, tout ce que nous faisons dans notre vie. Arrête aussi, parce que, excusez-moi, mon frère, je vous coupe un peu, je vous dis la vérité. Moi, j'aime quand on parle de versets. Mais si on doit parler des versets, parlons pour tout. Est-ce que dans la Bible, ça interdit à un enfant de Dieu de fumer la cigarette? Est-ce que clairement, il y a un verset, on va vraiment parler clair, où on dit ne fumez pas la cigarette? Okay. Mais nous savons qu'un enfant de Dieu ne peut pas fumer la cigarette. Est-ce que fumer, c'est faire un péché? Pour vous, fumer, c'est pas un péché, fumer? C'est pas un péché. C'est pas ça qui conduit au ciel. Donc, fumer la cigarette, c'est pas un péché. Il n'y a pas un péché, madame. Ah bon? Je pense que ça va être compliqué. Pour ne pas ouvrir un autre débat, on laisse ça comme ça. Parce que, comme on le dit, ce n'est pas écrit dans la Bible que c'est un péché. Mais celui qui est né de nouveau là, il sait que quand il